Oui, bien sûr, voilà, c'est difficile déjà de perdre à domicile contre ces équipes-là, parce que je pense qu'on avait vraiment les moyens de s'en sortir. Et voilà, vu la physionomie du match, on réussit à mener au score. Voilà ce qu'on n'arrive pas à faire depuis pas mal de temps. Et encore une fois, on se fait rattraper et on perd ce match. On parle beaucoup de vos problèmes de communication sur le terrain. Vous n'arrivez pas à le régler. Il n'y a personne qui peut prendre la parole. Vous êtes un cadre même dans l'équipe. Pour recadrer, justement. Oh, du problème de communication, mais bon, je pense que. Voilà, les choses, on s'est dit avant. On se l'est dit pendant, mais malheureusement, on n'arrive toujours pas à gommer ces petites erreurs qui font qu'on prend ces buts-là, même si on fait parfois des bons matchs. Voilà, il va toujours avoir ce petit truc qui fait que ce truc qui fait qu'on prend ce but. Donc voilà. Henri disait après le match, il va falloir qu'on se dise les choses. C'est qu'il en avait gros sur la patate. Hein. Non, voilà, comme il dit, il en avait à la casquette comme moi hier. Voilà, je suis vraiment sorti ce match très énervé. Maintenant, les choses, je pense qu'on se les dit depuis très longtemps. C'est pas maintenant qu'on a commencé à se les dire. Parce que, vu le classement, je pense que l'alarme a été sonnée depuis longtemps. Maintenant, c'est une prise de conscience, un état d'esprit, comme j'ai toujours dit. Et c'est comme ça qu'on va se sortir. Dimanche, c'est déjà un coup tout doux ? Non, dimanche, je dis, il faut les 3 points, absolument. Il n'y a pas d'autre objectif. C'est les 3 points et rien chercher d'autre. La manière, on s'en fout, mais voilà, il faut les 3 points. Est-ce que le fait que le coach ait décidé que la Coupe d'Europe n'était pas l'objectif, ça joue dans la tête des joueurs? Non, de toute façon, il a décidé que c'était pas l'objectif, vu notre classement en championnat. Après, c'est logique de privilégier le championnat. Le plus important pour nous, c'est de bien être classé, de maintenir le club. Après, la Coupe d'Europe, comme on dit, c'est un bonus, et là, comme il dit, la priorité, c'est le championnat, et il a vraiment raison. C'est quelque chose qu'il vous a expliqué avant le début de la campagne européenne? Non, après, comme on dit, c'est vu les résultats, tout simplement. Après, je pense qu'il n'avait pas trop le choix. Il faut faire un choix, et je pense que c'est le bon. Justement, c'est pas le plus motivant d'entendre ce discours-là, alors qu'il y a 4 mois, c'est quand même un peu le contraire. Il y a 4 mois, voilà, on était dans un autre état d'esprit, on avait des projets, on avait des ambitions. Et là, petit à petit, je pense que ça s'écroule un peu. Mais voilà, on a, comme on dit, mathématiquement, on n'est pas terminé. Donc, on va faire le possible pour essayer de jouer dans les deux tableaux, même si ça va être très difficile.